Le procédé Carboflux, breveté, est le premier réacteur de contact au charbon actif en poudre dédié au traitement des micropolluants et bénéficie ainsi des améliorations et d'un savoir-faire issu de plus de 10 ans de retour d'expérience d'exploitation. Basé sur l'absorption des molécules indésirables plutôt que sur leur transformation, le Carboflux se caractérise par sa très grande capacité à capter la matière organique et les micropolluants. Substances chimiques d'origine domestique, industrielle ou agricole, hormones naturelles ou de synthèse, résidus médicamenteux. La réduction de la matière organique réduit également le risque de formation de sous-produits de désinfection, tels que les THM, qui sont maintenant particulièrement surveillés suite aux évolutions de la norme. L'eau est mise en contact avec une grande quantité de charbon actif en poudre pendant 30 minutes avant d'être décantée pour récupérer ce charbon et le recycler, en le réinjectant à nouveau dans le réacteur de contact. Ce principe permet de bénéficier à la fois d'ouvrages compacts avec un temps de séjour hydraulique de moins d'une heure et d'un temps de séjour du charbon très élevé de plusieurs jours. Cette réutilisation du charbon actif permet d'utiliser toutes les propriétés absorbantes avec une consommation minimale. Dans l'évolution de l'usine, le poste Carboflux a été un élément déterminant puisqu'il nous a permis de mettre une barrière imparable pour les micropolluants. Point important, notamment en matière de pesticides, cet outil a un tel pouvoir tampon qu'il nous permet de pouvoir passer des variations de charge importantes, des versions de qualité d'eau brute importantes. Et par ailleurs, il est important de souligner que cet outil fonctionne d'un point de vue économique de manière beaucoup plus évidente par rapport à un traitement précédent, puisqu'aujourd'hui nous utilisons un charbon de très faible coût pour ce type de traitement. L'effet apporté par la masse de charbon en contact avec l'eau est fondamental pour l'obtention de performances élevées, tout en conservant un coût d'exploitation très raisonnable. La spécificité de la mise en œuvre du procédé Carboflux est de maintenir cette concentration et cette quantité importante de charbon en contact avec l'eau, tout en maîtrisant la décantation. Le Carboflux est un procédé éprouvé avec une quinzaine de références depuis une dizaine d'années. Le charbon actif usagé, saturé en micropolluants type pesticides et médicaments, est séparé des terres de décantation. Il pourra ainsi être valorisé vers les filières énergétiques plutôt que d'être renvoyé sur les terrains agricoles après compostage.